Je pense que c'est bien aussi. Ok, bah c'est pas. Après, mais on a vu c'est ça. Ok, on est parti. J'ai pas vu là-bas. Moi non plus. Ok, bon, on verra bien. Ouais, on verra bien. Allez, on est sur PS2, la map de la France. Ça commence un petit dump tilt. Il a pas mis d'arc encore. Portée, hein. Pourtant, il a pas une si grosse épée, mais. Le rayon laser. Moi je suis habitué à speed direct. Non, oh, le F-Steel qui te plante. Ça commence. Et voilà, shield instantanément. Fois, problème de Bayonetta, c'est que tu prends un combo, tu prends 50%. Bah, sauf là, du coup, mais là il a plus le shield. C'est ça. Maintenant, il va falloir soit SDI, donc se défoncer les doigts. Soit pas, pas se prendre des combo starters. Globalement, combo starter, on a quoi? On a Dumbi. Le Ups, je crois, et le Ups, la Ups, je crois pas. De chute? Non, de Bayonetta. Ah, Bayo, on sort. On a les side B et B. Voilà, side B et B. Et le Dumbi. Tous ces B. Bah, un peu F-Tilt aussi, je crois, Fer, il y a beaucoup de trucs quoi. Voilà. Mais globalement, si tu shield, pas trop peur. Après, faut pas se faire un shield. C'est ça, exactement. Tu finis avec une tendinite à la fin du match. Heureusement, c'est que BO3. Sinon, que faire? Là, ça explique le set play à côté, mais ne vous faites pas avoir. Personne ne sait ce que c'est le set play. C'est un mot qu'on balance comme ça. Les gens ne savent pas. Ne vous faites pas avoir. Et là, c'est en mode smash. Il pourrait mourir direct. Mais Brioche a repris l'avantage. C'est... Ah d'accord, il est en train de time out le shield, c'est ça. En fait tous ces coups en sort de time out, ça me fait penser un peu à Darren, sauf que c'est du temps. Globalement, shield encore et une là, fois. Il a le shield, c'est difficile. Hein. Du combo. On a le speed, okay. Malheureusement là. En B encore, est-ce qu'il y a un fer? Est-ce que ça là, va tuer? Un fer, c'est fini. Pas oh, encore. On a très très bien DI. Il y a feu DI down ça. Down si et je me trompe pas. Surtout pas DI in, hein, sinon tu meurs à des pourcentages de zinzin. Ouf. Oh, et ça se jab, ça a peut-être fait énorme. Encore le shield Bayo. Mais on est toujours pas mort hein. Et là mentalement c'est un peu difficile carry, quoi hein. Là il va falloir trouver très vite le kill pour Bopi. Attention, je sais pas Bayo si ça tue pas. Je connais pas du tout Shulk hein, pour le coup. Bah Shulk il met smash et il fait je connais pas ses combos. Ah mais là il a plus le smash. Je sais pas si ça combo trop, je pense pas, je pense que c'est juste un bon gros bourrin à la Roy. Après y'a peut-être des trucs sur les fronts mais... Attention on va courir très très vite. On va beaucoup chercher le grab avec speed. Bah ouais vu que tu vas super là, vite sur le sol. De Zaza. Oh, oh ça c'était bien tenté. Okay. 162%. Et là le shield encore une fois. Et il, l'a pas encore récupéré. Il lui faut un backer. Okay, peut-être que là ça... Ah ouais grab avec le smash, bah avec le smash ouais. Bah mode smash, full rage. Ouais forcément mais... Est-ce qu'on tue à 120%? Et là il a mis... Attention. Ah, il y a rien quand même, voilà. Ok. Gaffe à ça, je pense que beaucoup il va pas se SD non plus mais ça fait peur. Ah il pourrait. Ouais ça fait peur et ça ne tue pas. Et oui Bayonetta, Bayo can't kill. She can't kill. Les Sro qui tuent de Bayonetta, il y en a pas. Bravo. Hein, 210% pour la Sro je crois. Hein. Ah, et là du coup c'est difficile. Là ça tue peut-être. Là ça... Ah. Oh c'était pas loin hein, je pense. Ok, retour neutral, il reste que 3 minutes 30. Déjà on se... Bah ça va pas vite parce qu'en fait ouais. Ouais, et ça se regarde beaucoup. Bah ça cherche les combos starter. Il vient de mettre deux coups, 65%. Bravo à tous. Ganondorf. Ganondorf en fait. Ganondorf avec un sabre laser. C'est... Et qui va vite et qui n'a pas de lag. Un fusil à pompe et tous les buffs de héros en même temps. Ganondorf en fait. Attention, parce que là ça peut mourir, je pense, très vite sur un smash. Ou attention. On est pas mort, la bonne DI. Le pas encore. Attention, est-ce qu'on a vu? Ouh, on a chargé ouais. Ça. Heureusement que Bopi a pris cette disposition. Il attendait un side B, je pense, mais... Il tape de super loin. Ouais, ouais. Il est mort peut-être, là. Ok, non, là, on n'a pas Estro. Tout à l'heure, on est mort à peu près ce pourcentage, là, avec une Estro. Là, on est pas mort du stage, encore une fois. On va mettre off-stage une Bayonetta. On ne peut pas et je garde. Ouais, voilà, c'est difficile. Il a essayé des petits trucs, mais. Tu n'as pas le droit de garder une Bayonetta. Donc je prends un coup. Le mode jump, on n'a pas trop vu encore. Okay. Il est allé chercher tout à l'heure pour. Bah pour aller offstage en fait. Hein, mais. Oh. Attention, parce que ah, là c'est encore le shield. Le shield. Carry contre Bayonetta, hein, par contre.
C'est qu'une fois qu'il est en cooldown, il faut y aller quoi, mais bon, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très compliqué. Bah, le jump qui est pas encore là, on est en mode smash. Non, smash. Buster, pardon. Le saut qui a l'air de bien marcher contre Bayonetta par contre. Ah, et la mode smash là, ça pourrait vite mourir, c'est quoi. Un grab. Un grab et c'est terminé. Mais bon, Bopi le sait, il reste très très loin du grab. Non, non, il n'y a plus le mode smash, il peut foncer. Effectivement, il fait beaucoup de rétro depuis qu'il n'a plus le mode smash. Attention à ça. Et le B. Donc il peut être garde en fait. C'était hein. pas très loin, ouais. Mais apparemment, le B de Bopi. Oh, les smash, c'est peut-être ça la solution. La vieille qui était, à mon avis. Ah, il pouvait pas s'attendre. Elle n'était pas là, hein. Ok, peut-être un combo starter pour Bopi ici. Le encore shield. Le shield. Carry. Le nombre de stocks qu'il a gardé grâce à son shield, c'est fou. Il a au moins comme ça. Il est long ce match, et oui. Sonic ? Ah non, 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 pourtant. Non, non, c'est un jeu. Pourtant, il n'y a pas Sonic dans la game. Ah oui, une minute, il reste une minute. Ok. Attention, hein, parce que là, on peut très vite mourir sur un combo. Je sais pas si on a notre shield du côté de Brioche. Là, il a peut-être récupéré. Là, il a peut-être récupéré, donc ça l'empêche de mourir sur la prochaine phase. Là ça se regarde, hein. J'ai l'impression que Bopi a envie d'attendre 45 secondes. Ah oui là ça va, il va peut-être faire ça ouais. Ce serait pas bête, il peut tempo mais après il faut pas non plus... On a presque 100% d'avance. Alors faut pas non plus faire reverse. Et là le smash ça pourrait partir, ça fait toujours peur. Buster. Buster ça fait, il fait plus de dégâts mais il prend plus de dégâts. Ok. En fait okay. Tous les trucs de Shulk ça a un effet négatif aussi. Ah. Genre smash il se fait exécuter plus loin aussi quand il est en smash. Du coup, ouais, Buster, c'est pour mettre okay, des dégâts. On a toujours le shield. Faut pas oublier. Wow, très très beau shield là-dessus. Après, un combo start-up. Et là, Bopi, il reste 10 secondes, il est prêt à time-out. Hein. Ah, mais à mon avis, ça va être un time-out. Si vous voulez mon avis. Il lui suffit de s'aider dans tous les sens. Allez, là, je pars au stage. Voilà. Oh, mais, ah, le smash qui peur. Non, c'est bon. Envole-toi. Aïe aïe aïe. Time-out. Aïe 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 aïe. Non. Ok, mort subite. Mort subite. Mort subite. Aïe aïe aïe, le timeout. Ça va être compliqué. J'ai juste demandé si c'est bien BO3. Je reviens. Ah oui. Oui, c'est vrai que ça vaudrait le coup de savoir. Premier timeout. Bah en fait le truc c'est que Shulk quand il se buff, t'as pas envie d'y aller quoi, vu qu'il est buffé. Donc tu attends. Et si le Shulk lui il avance pas, parce qu'il veut pas forcément avancer sur le bio quoi, et ben les deux n'avancent pas et... Encore une fois, quand ça va pas, Olimar. Qu'est-ce qu'il y a avec Olimar là? Un petit Lucas? Je trouve ça marrant. Ça marrant comme perso. Et là on va voir s'ils ont pris une map plus petite peut-être, ou si ça va rester... Je sais pas du tout, PS2, c'est... je pense que c'est ok, SBF. SBF, des plateformes okay. Un petit peu plus basses, mais globalement c'est la même map. Plus ou moins, juste un peu moins grand. On a des musiques. On peut mettre la musique qu'on veut. Voilà. Oh, le FTP qui est spot dodge, c'est assez bizarre. C'est très rare. En vrai, c'est des persos qui sont assez agressifs à la base. À la base. Ouais, mais ce que je disais, c'est que ni l'un ni l'autre, ils ont envie d'approcher l'autre en fait. Vu que l'autre se met des buffs, donc bah, t'as pas envie d'y aller. Ouais, le problème, c'est que les seuls combo starters que trouve Bayonetta, bah ils sont. Oui, sont voilà, en plus. Le shield, pardon. Et du coup, bah. Un coup, il s'est fait river. Il a pris 50%, non pas du tout. Et là, c'est, là il se regarde. Le 7B qui passe pas, il va se faire grab. Attention. OMG. On rappelle que le up. Oh le smash. Oh, aïe aïe aïe. 85%. Et il l'avait pas fait encore. C'était un très très bon mix-up. Hein. Maintenant, ouais. Va falloir aller chercher. C'est très beau de sa part. Plus de pourcents en face, prendre de l'avance, voire prendre une stock d'avance. Et là, il met son shield. Oh, le shield, hein, ouais. Petit backer. Tu mets 6% avec un donné. Oh, ah, dommage. Ok, il a réussi quand même à grab. Ça a beaucoup de lag, hein, l'air dodge de Bagno. Encore une fois, le shield permet de finir. Et là, oh. C'est peut-être fini. Okay. On n'a pas le shield. Ah non, il n'y a pas vu le backer. Pas de backer. Oh, fini. Ça tue. Ok. Ça tue. Il l'a fait très vite, du coup, ça allait, il allait pas mourir. Le Witch Time qu'on avait pas vu encore le aussi. Le Witch Time, c'est vrai qu'il l'avait pas encore fait. Peut-être qu'il a commencé à s'adapter un petit peu au timing de Brioche. Et du coup, on va peut-être pas la sortir un petit peu plus souvent. Ok, upper faire. Il a pris 30% en un combo entier. Hein. C'est vraiment pas beaucoup pour une bagnole.
Après, quand il enfile, normalement ça t'ouvre d'autres portes c'est de combo, mais bon. Ouais, c'est ça. Après, faut voir. Faut au lab, quoi. Genre, faut ça, s'adapter, c'est ça. Pour connaître Shulk. Surtout qu'il y en a vraiment pas beaucoup de Shulk. C'est sûr, bah, c'est quand même un peu demandant. Il est quoi. Peut-être mort, selon la DI, non. Bonne DI. Pas encore. Tout va bien. Ok, le fer. Oh le fer. On a failli mourir là-dessus. Est-ce qu'il y retourne? Il y retourne, mais ça passe pas. Phase de Hedge Trap. On va retenter un F-Smash comme tout à l'heure. Ce grab, c'est bien trouvé. Mode Smash, attention à ça, un coup seul. Okay, il réussit à passer en shield, mais il est très lent et du coup il va peut-être pas aussi avec le jump. Ok, ça va. Il a réussi à changer sur le jump. Mais il est trop chaud en fait. Je pense qu'il était mort. Jab. Ok. Pas sûr que c'était la meilleure option pour venir, mais. Attention à ça, par contre on est en. Oh. Ah, ça passe pas. Ah, et du coup il se fait reverse. Et du coup, reverse. Bat Weavin. Et là on a 4 minutes à tenir. Non, on va faire du jeu. Et le upbeat qui trouve direct. Directement. Le public derrière qui tire de ouf. Allez, alors peut-être. Il passe en mode speed. On rappelle que déjà Brioche, c'est son premier top 8. Hein. Et premier cash prize en même temps. Mais Brioche il déconne pas du tout. Hein. Il déconne pas du tout même. Pour le dire vite. Wow. Un back air en buster, ça met à 30%. Back air, ouais, c'est ça. Okay. On space très très bien. Ça va faire, ouais, garder le B shield direct, faire. Allez, encore une fois, ça. En tout cas, Bopé qui commence un petit peu à s'adapter au shield de. Oh, c'est peut-être fini là. Ah, ok, non. Upper. Il a SDI, il a bien défoncé ses manettes. Bah, ah, je pensais back air. Le back air qui peut tuer. Oh, le side B. Et c'est oh fini. Et c'est. C'est terminé. Terminé, il a essayé de cycle sur. Oh là là. Ah, c'était chaud.